Je m'appelle Johan Blanc, je suis le directeur et cofondateur de l'Institut Artline. L'Institut Artline a été créé en 2013, on a commencé avec un apprenant à l'époque et il avait, je crois, 8 formateurs. Pour l'IA, aujourd'hui, ça a bien changé. On a 600 apprenants, on a près de 150 mentors, une équipe d'une vingtaine de personnes qui inclut des coachs, les responsables pédagogiques, l'équipe en communication, en admission. 70 à 80% des apprenants qui démarrent une formation à l'Institut Artline vont au bout de leurs études. Et 90% ou plus de nos apprenants diplômés intègrent le marché de la création numérique. On a proposé des tarifs qui sont presque deux fois moins chers, voire plus, que des écoles présentielles. C'est important pour nous de rendre cette formation accessible à ce niveau-là. En plus, comme on a distance, il y a possibilité d'avoir un petit travail à côté, financer ses études. Donc finalement, on rend ce type de formation accessible à tous, sans pour autant sacrifier la qualité, parce que l'école fait partie des 50 meilleures écoles au monde aujourd'hui, et on est très fiers, et on va continuer comme ça de progresser et de rendre une haute qualité de formation. Je suis Lucille Boileau, je suis directrice des formations et des partenariats à l'Institut Artline. À l'Institut Artline, nos formations sont autour de la création numérique. Nous avons des métiers autour du design, avec le design graphique et le design d'espace. Nous avons aussi des métiers autour de l'animation et du cinéma, autour du concept art et de l'infographie 3D. Nous formons également des métiers autour du jeu vidéo pour le game art et le game design. Tous les débuts de semaine, l'étudiant aura accès à des cours vidéo ainsi qu'à des exercices à faire. Il aura le reste de la semaine pour s'organiser et faire ses exercices. Et en fin de semaine, il rencontrera son mentor en live qui pourra lui faire des retours sur ses exercices. Dernièrement, nous avons développé des partenariats autour de notre formation de CQP ETCN. Nous l'avons fait avec la CPNF audiovisuelle ainsi que l'AFDAS qui nous a aidé à concevoir l'ingénierie de formation. Et cette ingénierie de formation a été également co-conçue avec 6 grandes entreprises françaises pour être sûre d'être au plus près de leurs attentes, qui sont Micros Images, Illumination MacGuff, Timto, Cube, L'Effet Spécial et Xilam. Donc je suis Pascal Chave, je suis le directeur expérience formation au sein de l'Institut Artline. L'accompagnement de chacun de nos apprenants est une valeur importante pour nous et on les accompagne de manière individuelle, personnalisée et aussi sur leur bien-être. Dans ce sens-là, on a décidé de lier un partenariat avec Nightline qui s'occupe vraiment du bien-être des apprenants et dans leur accompagnement aussi. Donc ils peuvent les contacter dès qu'ils en ressentent le besoin et pour avoir une aide supplémentaire. Il est important pour nous de casser l'image de la formation en ligne qui pourrait amener de l'isolement. Au contraire, en intégrant l'Institut Artline, vous intégrez une communauté et vous avez beaucoup de moments d'interaction avec les apprenants, avec vos mentors, avec l'équipe pédagogique et l'équipe des référents. Donc vous n'êtes jamais seul et il y a toujours quelque chose qui se passe à l'Institut Artline. Si vous hésitez encore à rejoindre l'Institut Artline, dites-vous que nos formations s'adaptent à vous, à vos besoins, à vos attentes et on vous accompagnera spécifiquement pour que vous puissiez atteindre votre objectif professionnel dans les meilleures conditions.